Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans l'épisode 4 de Zeldavilia. Alors je reprends cette aventure avec un petit peu de décalage. Ça fait un petit moment que j'ai... Oulala, j'ai plein de trucs. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné cette aventure, donc faut que je me remette un petit peu dans le bain. Et là il y a ma touche qui reste coincée, d'accord. Alors, on a une salle comme ça, très bien. Là-bas on peut y aller. Je vais prendre mon épée. Ok, on descend. J'entends des mobs. J'entends des mobs, ça commence mal. Alors, droite, gauche, droite. Ah, il y a un coffre là-bas, donc on va aller tout de suite là. Et... Ok. Avec des cœurs. Ouais, j'ai plein de trucs dans les poches, c'est... Limite, ça, je m'en fiche. La torche, je sais plus si je l'ai ramassée. Ça, je m'en fiche, du coup. Quelques graines mojo... Je vais en laisser deux là, histoire de dire si jamais un jour il y a besoin. Hop. Ah, attends. Hey! Pardon. Ouais, que je me fais pas voir... Je suis coincé dans le truc. Je me fais pas voir deux fois. J'ai pas envie qu'on me dise... Alvi, putain, t'as pas vu dans le tableau! Donc, je... Je vais voir ça. Très jolie salle. Déploiement Portal 2. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une référence à Portal, vu qu'il y a écrit Portal partout? Ouais, peut-être. Je me souviens plus de... En même temps, ça fait un moment que j'ai joué à Portal, donc... Donc ceci explique cela. Alors... Ah, attends. Ah, ça m'a ouvert... Non, ça m'a pas ouvert ça, si. Si, ça m'a ouvert ça, je crois. Ok, bah très bien. Ça a dû m'ouvrir la porte en fait. Absolument pas. C'est là d'où je viens? Ok! Attends. Oh putain, je me perds, c'est un truc de malade. Voilà, c'est ça que ça avait... TNT. Alors attends. Vous obtenez bombe, posez-les devant les murs fissurés, elles s'allument toutes seules. Très bien. Tiens. Tiens, un garçon de la forêt. On n'en voit pas tout le temps. Dis, connais-tu les choupetteurs? Ils explosent dès qu'on les arrache. Mais c'est bon... Putain, c'est chiant les mobs là. C'est bon, mais c'est bon dans le coffre. On a le même effet, très bien. Ok, bon. Donc là, je peux ouvrir les trucs fissurés. Mais ça, c'est pas des trucs fissurés. Où est-ce qu'on avait un truc fissuré? Je sais plus. Je sais plus. Où est-ce qu'on avait une porte fissurée qu'on pouvait pas ouvrir? On va aller voir ça. Alors. J'espère que vous allez bien. Donc là, c'est... Je sais plus si j'avais été là. Oh! Non, j'avais pas été là. Tac, avec deux émeraudes. Épée Bigon. Ou Bigon. Une épée assez fragile. Ah, d'accord, très bien. Donc, Smith 1, Knockback 2, très bien. Tiens. Tiens, un homme, je suis Bigoron. Et je suis Forgeron, tu peux prendre cette épée si tu veux. Très très bien. Ça c'est bizarre ça. Mais bon, certes. Alors, il fait nuit. On peut donc se faire attaquer. Donc, je vais peut-être manger un peu parce que je suis gavé de ressources. Alors, on va manger du pain, tiens. Ah bah là-bas. Là-bas, il y a un petit truc fissuré. On va aller voir tout de suite ce que c'est. Alors. Eh ben moi franchement, je m'éclate sur cette map. Je... Oh, gros lag. Oula. Oula là. Voilà, re. J'ai préféré faire j'ai préféré arrêter frappe, c'est le relancer pour être sûr que ça fasse pas trop de bugs. Tu sais, moi je m'éclate. Apparemment... Voilà, très bien. Apparemment, elle plaît pas à tout le monde, mais... De toute façon, je peux pas... pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Très bien. Mais franchement, moi, je la trouve super bien foutue, cette map. Donc, grand GG au créateur. Alors. En partant, le chef Goron m'a dit de faire attention. Le temple du feu est loin dans le volcan. Il faudra faire attention à la lave et monter à travers ces vieilles ruines, ça promet. Mmh. Très bien, alors ici,
J'ai toujours mon truc de flotte, hein, on n'a pas oublié. Alors oui, c'est un saut, ils ont changé le skin, hein, on est bien d'accord. Vous m'avez tous dit ça en commentaire. Je fais juste ça pour aller voir. Je pense pas qu'il y ait quelque chose, mais bon. Non, y a rien. Dans le doute, on sait jamais. Allez, je prends mon épée et on jump. Ok. Tac. Tac. Oh là là là, je sens la rage venir. Je sens la rage monter là. Hop. Ensuite. Oh! Hello! Ok. Un coffre là-bas. Oh! What? Ah oui, attends. Plutôt énorme. Ah, ok. Faut que je le laisse dessus. Non! 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 Attends. Voilà, hein. On n'a rien vu. Voilà. bon, moi, je vais faire comme ça. Attends, je suis un peu prêt. Merde, c'était bon. Fuck. Fuck. C'est bon. Mais non, mais s'il te plaît. Comment galérer? Galérer pour deux en fermant les yeux. Je vais y arriver, hein, je vous jure, je vais y arriver un jour. Non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas que j'y arrive. Là! Bah moi, même que j'ai même pas triché d'abord. Non, mais j'avais pas vraiment envie de mourir et de devoir tout recommencer. Alors, hop, une petite... Hop. Oh, 3 TNT. Alors, attends, on va laisser, par contre, ce qui nous sert à rien, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je viens de ramasser, là? Il est où, le... Là. Luc. Pas bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Une petite ruine. Hop. Tac. On continue le jump. Alors je suis très content parce que j'ai un énorme bon retour sur pour la série Minecraft en bouteille. Alors c'est un nom un peu nul, mais j'ai eu vraiment des bons retours. Attendez, est-ce que j'ai pas été voir là-bas? Je peux réparer mon truc. Est-ce que je fais un truc cheaté ou pas? Non, je pense que c'est juste le décor, on n'a pas le droit de l'utiliser, je pense. Hop. Rien qui est caché. Je ne pense pas, j'ai tendance à aller trop vite dans les maps. C'est un défaut. Je sais pas pourquoi, parce que je suis pas du tout pressé pourtant, mais... Je sais pas, pour moi, faut que ça fonce. Alors, attends. Attends, je pense que je vais pouvoir lire après. Peut-être pas, remarque. Ah, peut-être pas. Alors, on va lire tout de suite. Wow. Wow. Alors, Navi, les murs sont étranges. Il doit y avoir quelque chose caché par ici. Ah. Attends, est-ce que c'est pas après que je devais lire ça en fait? Je sais pas, parce que c'est bizarre, il aurait peut-être pas mis des grilles sinon. De toute façon, pour l'instant, c'est juste des grilles que je peux pas casser ou que je peux pas passer au travers. Donc je suppose qu'il faut que j'aille là. Hein. Tac. On continue de monter. Est-ce que je peux monter jusqu'en haut? Parce que ça va servir à quelque chose. Bah oui, c'est là qu'il faut que j'aille, hein. Oh putain! Voilà. Et voilà, très bien. Oh putain, mais non, Creeperland ici. Tac, allez, dans la lave. Ça, c'est fait. Suivant. On prend des petits joyaux. Oh, il a une pelle dans la main, lui. Bah tiens, je vais essayer, tiens. Fail. T'as mal, hein. Voilà, c'était tout. J'avais envie d'essayer. Alors, tagrac, voici enfin le haut du volcan. Mais attends, mais du coup, non, du coup, il y a peut-être un truc à faire en bas. Hein. Il va me tomber dessus, lui, là. Non, ça va. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas quelque chose à faire là-bas.
Ou alors c'est en haut. De toute façon, et je peux rien faire là, on est bien d'accord. C'est peut-être après qu'il y aura une salle, parce que là je vois pas concrètement ce que je peux faire. Je pense que c'est après. Hop, on y retourne. On y retourne là-haut les amis. C'est parti. Tac. Ouf. Ah oui, voilà. J'avais une question. J'ai vu qu'il y avait le mode Pokémon qui était sorti en 1.4.7 qui a l'air vraiment pas mal, qui a l'air bien complet et tout. Est-ce que ça vous plairait que je fasse une petite aventure là-dessus avec ce mode? Alors ça serait pas une aventure de 50 épisodes hein, je pense, ça serait juste une aventure qu'on fasse, enfin juste l'aventure qu'on fasse le tour du mode, qu'on exploite un peu tout, pardon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir ou si vous aimez pas trop, enfin voilà, je verrai avec le plus de pouces verts sur les commentaires une aventure avec Pokémon ou non, pas d'aventure avec Pokémon. Moi je pense que ça m'intéresserait après à voir avec vous. Si vous en avez pas trop vu ailleurs, ou je crois pas, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, dites-moi en commentaire, dites-moi ça. Donc là, voici enfin le haut du volcan, il ne faut pas s'attendre à un temple très simple, je pense. En plus, il est entouré de lave. Attends, parce que je pense à autre chose, hein. Une chance qu'il y ait une fontaine. Bizarre, non, une fontaine aussi haut. Ouais, en gros, c'est pour claquer mon ça, là. C'est le rire de merde. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'aime bien ce qu'il disait que c'était une épée fragile, mais au final elle a pas de durabilité non plus celle-là, donc c'est plutôt lolz. Donc attends, et ça sera pas le truc. Temple du feu. Bon attends, on va y aller étape par étape. Lui il va me cramer au soleil de toute façon. Allez hop dans la lave, ça c'est fait. Ok, on continue, je vais aller vous montrer et voir ce qu'il y a là-bas. Vers le village. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un lapis-labouli? Je ne sais pas. Bon bah écoutez, je pense. Qu'est-ce que c'est là-bas? Wow. Barre-toi de là, tu fais. Donc j'ai une magma cream, chose que je n'ai jamais en aventure. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, bah écoutez, je pense qu'on va y aller hein, dans le temple du feu. On est partouze. Ah bah voilà. Attends. Ouf. Clé du volcan. Ah ah. C'est pas mal foutu, moi j'aime beaucoup, hein, j'avoue. Et voilà, ça ouvre la porte, c'est magnifique. J'ai rien oublié là? Tac, tac. Je vais juste garder les TNT dans mon inventaire, on sait jamais. Ça pourrait servir. Donc là, on a des trappes. It's a trap. Donc on vient pas de là. Ça va être un bordel pas possible. Alors est-ce qu'on se la joue PGM ou est-ce qu'on se la joue sécurité? On va se la jouer sécurité. Voilà. Parce qu'on n'est pas du tout des PGM. Enfin moi je ne suis pas un PGM. Donc on va se la jouer secure. Security. Alors là, c'est là qu'on rigole. Eh j'étais dessus là. Oh. En fait, j'ai toujours pas l'arc, je crois, non? Là. Ouais! PGM! Ok. Alors là, il y a encore un truc comme ça. On peut courir. C'est vraiment pas mal pensé, hein, sérieux. Moi, j'aime beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, je suppose que c'est un checkpoint. Très bien. Bah là, j'ai plus qu'à aller là, hein, je suppose. Ah bah voilà, vous voyez?
Les murs sont étranges, il doit y avoir quelque chose caché par ici. Ouais. Ouais. Alors attends. Les murs sont étranges. Bon. Oh! Attends. C'est chelou ça! Mais what the fuck? WW. Alors, ça alors, je ne pensais pas à ça. Attends, faut que je mette de l'eau là-dedans. Oh my, non mais sérieux. C'est GG ça, hein. Ça m'a ouvert quoi? Là. Ne prendre qu'un seul flacon rempli d'eau. D'accord. Bah, je vais reprendre cette source là alors hein. Hop. Très bien. Très très bien. Non franchement non non GG sérieux grand grand GG au mec qui a fait. Ah putain attends. Oh non j'ai fail là. Yes. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh. Ok. Ici. Ouf. Alors attends, parce que j'aime pas quand il y a plusieurs... Ah non, c'est un checkpoint ça. Un checkpoint? Je pense que oui. Attends, on va aller voir dans l'autre salle. Dans la nouvelle salle qui est... Qui n'est pas ici. Putain, je suis perdu déjà là, ça y est. Putain, je viens de là. J'arrive. Voilà, faut qu'on... Voilà, c'est là, fallait que j'aille. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors attends. Attends, je suis plus sur le truc là, c'est bon. Donc là, est-ce que j'ai encore... Non. Oh, c'est quoi ce qui est tombé là? Je n'ai plus de... j'ai plus de trucs hein. De Deuil d'Underman là. Non, j'en ai pas de ça. Il faut que je descende là-bas. Avec tous les milliards de monstres qui m'attendent. Génial. Plutôt pas mal, araignée qui va me pousser. Boum, voilà, très très bien ça, très très bien. Oh non, un spawner de creeper, un spawner de creeper. Are you fucking seriously fucking fucking? Bon bah en gros faut que j'aille quoi. Alors je vais d'abord aller pas par là parce que c'est fermé, comme par hasard. Pas par là parce qu'il y a rien. Je suppose que j'ai plutôt aller par là. Wapapo ! Très très bien. Alors ici on doit faire des jumps. Un petit peu PGM. Tac. Tac, tac. Oh oui ! Une lampe torche. Enfin une lampe torche. Pff, n'importe quoi moi. Une torche de redstone. Où est-ce que ça nous mène ceci ? Ceci nous mène ici. Au début, très bien. Alors j'ai une torche de redstone. Ouais, on est des ouf, on va voir les creepers, donc c'est comme ça. Voilà. Une torche de redstone qu'on pourrait placer peut-être, je dis bien. Peut-être ici. Alors je sais pas s'il faut que je la place là pour ouvrir la porte. Bah je pense que j'ai pas vraiment le choix. Attendez, je réfléchis 5 minutes. Tac, on vient de là, là-bas, c'est bon. J'ai pris la torche là-bas. Ensuite, on est arrivé... Hop, hop, oh. Ah mais ça va, oui. Je vais manger un coup. C'est pas ça que je vais manger de vie. Je pense qu'il faut que je la pose devant la porte. Je pense que j'ai pas vraiment très très le choix. Ici, c'est de là d'où on vient. Là-bas, il y a de la lave. On ne peut pas passer. Je suppose que c'est là. Torche. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Mais vas-y, mais barre-toi de là, sérieux. Ok, ça a fait ça là-bas. Oh, j'ai un fil de taré. Voilà. Oh ouais, Underpearl.
Nickel. Donc, maintenant, je peux retourner là-bas. Bonjour, je fail un saut de 1 de large. Hop. Alors ça, faut déconner, faut pas que je fail. Donc là, j'ai plus d'eau. J'ai la pression du coup. Attends, qu'est-ce que je fais là? Ça sert absolument à rien ce que je suis en train de faire, on est d'accord? On est d'accord, c'est pas du tout par là que je... Viens! Heureusement que j'ai une bonne armure. C'est par là que je viens. C'est par là qu'il faut que je reparte. C'est par là qu'il faut que je mette l'Underpearl. C'est pas... Non, je rigole. Alors attends, ok, donc là on a l'Underpearl, on peut passer... Putain, faut pas que je la loupe. Parfait. Parfait! Attends, je regarde... Oh, t'es. Il a cru que j'allais pas le voir, ce petit fumier. Ok, donc si je retombe, j'ai ça. Parfait, nickel. Alors, qu'est-ce qui se cache là-haut? Hein? Qu'est-ce qui s'y... Hop! Un coffre que j'avais déjà pris. Ah. Et quelque chose que je n'avais pas vu. Parce que j'avais pas pu aller là, tout simplement. Oh, ça a éclaté mon coffre, tiens. Oui. Je sais pas si c'est voulu que je vois une torche de redstone. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il faut que je la casse? J'ai peur de faire une bêtise. Mais de toute façon, là, je ne peux rien faire, on est d'accord. Et il y avait un bloc. Je la casse. Ah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de la casser cette petite. Attends, un petit. Ça m'a donné quoi là? Merde, ça m'a donné quoi? Je sais pas, j'ai pas vu. Vous pouvez brûler ceci. D'accord? J'ai pas de briquet. Je vais voir là-haut si ça n'est... S'il y a pas un petit briquet qui s'y cacherait par hasard. Hein? Par hasard? Mais attends, c'est quand même bizarre. Attends, est-ce que j'ai vraiment pas un briquet dans ma poche là? Oh! Oh! C'est quoi ce spawner de trucs là? Allez, mais dégage de là, wesh! Bon, attends. C'est quoi? Est-ce que j'ai pas un briquet? Non, j'ai pas de briquet là. Et le timer m'annonce que c'est... Attendez, j'espère juste qu'il n'y avait pas un briquet là-dedans qui a pop dans la lave. Oh putain. Le bad. Bah de toute façon, je le verrai sur la vidéo, hein, si c'est ça. Ok, bah les amis, on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. Je vais regarder en même temps sur la vidéo s'il n'y a pas un briquet qui a pop que je verrai sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et sur ma chaîne secondaire. Prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde. What the